Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Star Wars Collection FR. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du livret Leclerc où on peut collectionner des boosters comme cela. Donc des petits boosters que vous pouviez avoir jusque dimanche. Donc je fais une vidéo sur ça parce que je les ai tous. Voilà. Donc on va commencer la présentation. Donc c'est un livre très très bien fait. Aucune chose à dire à part. Les feuilles, à part les feuilles qui des fois se cassaient, enfin les feuilles en plastique comme ça, elles se cassaient un petit peu, donc c'est un peu le bémol de ce livre. Sinon, il est très beau, c'est du carton, hein, très beau. On a une très belle image du Star Wars épisode 3. Donc voilà, là vous voyez, attendez, vous voyez ici le logo Leclerc. Donc on va commencer à faire. Enfin, on va commencer par ouvrir. Donc, si on a une petite page de présentation du livre qui raconte comment Star Wars est arrivé aux écrans. Voilà. Donc, après, nous arrivons sur une page avec Han Solo et Leia avec tous les boosters de la page. Donc, ici, on a Princesse Leia, Han Solo, Chewbacca, Padmé Amidala. R2D2 et C3PO. Donc là, derrière eux, on a les petits descriptifs du personnage dans la saga. Ici, on a des petits. Ici, on a des petits rangements pour si on a des doubles, je pense. Ici, on a deux Stormtroopers à l'arrière, à l'avant et Dark Vador à l'arrière. Ici, on a Boba Fett. Donc, on a Grand Moff Tarkin. On a Général Grievous, Boba Fett, un Snowtrooper. Un Imperial Ga Royal Guard et un Stormtrooper. Donc derrière le descriptif. Voilà. Ici nous avons Yoda 5-6. Donc voilà. Luke Skywalker épisode 6, épisode 4. Ici on a pratiquement. Bah, on a que des Jedi. Donc ici on a Obi-Wan Kenobi. Mace Windu. Ou Mace Windu, je sais pas comment vous dites vous. Ayala Secura. Yoda. Luke Skywalker et Qui-Gon Jinn. Voilà. Donc derrière le descriptif, comme d'habitude, je vais pas vous dire à toutes les pages. Donc ici on arrive sur ma page préférée. Donc ici on a Anakin Skywalker épisode 3, Grand Moff Tarkin, Dark Vador. Donc là ici c'est que les sites principaux et c'est ma page préférée. Donc ici on a Dark Vador, Dark Sidious, Dark Maul. Le sénateur Palpatine, le comte Dooku et Anakin Skywalker. Donc voilà. Donc, descriptif. Ici on a une page qui sert à rien. Voilà. Ici on a tous les mince, 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 mince. Les extraterrestres, on va dire les. Ah, j'ai plus le nom. Donc là on a un Wicket, donc c'est Wicket, donc c'est un Ewok. On a Jabba le Hutt, on a Han Solo, Greedo. Et là je vois pas trop qui c'est. Il me semble que c'est l'espion de Star Wars dans le 4. Ici on a Jar Jar Binks, Sebulba, Wicket. Jabba le Hutt, encore un Wicket, Wampa et un Jawa. Voilà. Ici on arrive sur les vaisseaux. Donc ici on a 3 X-Wing, un Faucon Millenium et celui-là, je ne sais plus son nom. Donc dites-le-moi dans les commentaires si vous le savez. Donc c'est une image tirée du film 6 parce que l'étoile noire était déjà endommagée. Ici on a le cockpit du Faucon Millenium qui passe en vitesse lumière. Voilà, donc ici on a le Faucon Millenium, l'étoile de la mort, le chasseur TIE, le X-Wing, l'Imperial Star Destroyer et le Naboo Royal Starship. Voilà. Voilà. Ici on a les planètes. Donc ici on a la planète Hoth, je pense. Et ici on a Tatooine, donc avec Luke qui regarde le soleil
Oui, le soleil qui se couche. Donc ici on a Mustafar, Endor, Hoth, Naboo, Tatooine, Coruscant, Hoth, que j'ai en deux fois, et Coruscant, encore en deux fois. Donc dites-moi dans les commentaires vos personnages préférés, vos planètes, vos vaisseaux, vos créatures préférées, voilà les créatures. Et votre personnage préféré dans Star Wars 7 dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de parler avec vous. Voilà, et de savoir ce que vous aimez dans Star Wars. Donc ici on arrive sur la page Star Wars 7. Donc ici avec Kylo Ren. Donc ici on a Poe Dameron, donc j'ai un deux fois. C-3PO et R2-D2. Donc ici on voit BB-8. On a un TIE Fighter du premier ordre. Chewbacca. Un Flammtrooper. Un Stormtrooper. Et encore un Flammtrooper. Donc ici il n'y a pas de description. Parce que il y a une petite description là. Pour le climat, les terrains et tout. Pour les espèces. Voilà. Alors que là-dedans, on garde un peu de suspense pardon, pour pas trop qu'on se spoil. Donc, pas de descriptif. Et tant mieux, je dirais. Donc, ici, on a Kylo Ren. Kylo Ren, je sais pas comment on dit. On verra dans la version française qui sort dans 2 jours déjà. Et je suis très, très impatient d'aller le voir. Donc, passons. Donc, on voit le Stormtrooper. Capitaine Phasma. Rey. Finn et BB-8. Donc ici on voit deux Stormtroopers, donc un ici et un là. Voilà. Et ici on a tous les personnages de la collection au complet. Donc ici vous voyez les clones phase 1. Donc ici on a tous les boosters. Enfin oui, les boosters. Et moi j'appelle ça un booster, après je sais pas comment vous dites. Donc voilà, donc je les ai tous cochés, hein, voilà. Et donc voilà, donc c'est la fin. Donc ce petit carnet a été... on va monter une seconde. Voilà. Donc il a été livré avec un jeu d'échecs, voilà. Donc on peut jouer aux échecs avec des boosters. Donc, moi j'ai mis des trucs en trop, j'ai mis au hasard. Donc si vous voulez voir aussi ma petite collection, voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo présentation de ma collection. Donc j'ai eu des nouvelles figurines dont je vous ai montré. Donc dans la vidéo que je viens de tourner là, donc j'ai eu Yoda, Han Solo épisode 5 et Luke Skywalker en tenue de pilote X-Wing. Voilà. Donc on retourne là. Alors. Donc c'était la présentation du livret de collection de boosters. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.